Allez, salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 13B, je pense. Hein, je pense que je vais faire comme ça. Donc, 13B, donc bon. Alors, j'ai pas fait grand-chose, hein, c'est directement la suite. Donc, les échelles. Et donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? La lave. Donc, hop, on va aller mettre la lave. Donc en fait le principe c'est que la lave va être posée ici, elle va avancer là et elle va être bloquée par les échelles. Donc elle va être là et ce principe là on va pouvoir piéger les pauvres petites araignées qui n'ont rien demandé à personne et qu'on va faire chier. Excusez-moi du terme. Donc vous voyez, vous pouvez voir que là ça bouge plus. Allez, encore un saut. Parfait. Donc j'espère que ça a marché parce que j'ai déjà fait deux pièges à mobs dans ma vie, c'est pas beaucoup. Et tout ce que j'ai fait à chaque fois, je mettais de l'eau là, une descente, de l'eau, et là il se faisait cramer. Je pense que ça revient au même. Je pense. Donc je suis en train de voir que j'ai du minerai. La cobble. Alors, cobble, on va boucher les trous. C'est-à-dire là. Et là. J'ai pas de sable. Non. Ok. Donc. Et bah donc. On va devoir se lancer. Déjà j'extermine ça. On va. Récupérer la moissie. On va, ouais. Pour éviter que ça pop hein, pendant que j'enlève les blocs. Parce que j'aurais un petit peu la haine qui pop. J'ai pas regardé, mais normalement, oui. C'est bien. Donc, et bah voilà. Ok. Bah voilà, on va pouvoir tester. Vous voyez, les blocs sont amenés directement ici. Exemple moyen, mais. Alors, bah non, ouais, on va faire un vrai test de fou. On va lancer des cailloux ici. Hop, et on va voir que les cailloux vont arriver là-bas. Hop, voilà. Ouais. Boucher ça. Voilà. Ici aussi. Hop. Donc là, mon plan d'évacuation. Je fous l'eau là, 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 là. Ici, clac, clac. Magnifique. Ça, c'est un plan d'évacuation. De fou furieux. Donc, bah, on va aller voir. On va aller voir. Et voilà, les blocs sont ici. Donc, je fais une petite pause. Je vais voir. J'ai pas mis le chrono. J'ai pas remis le chrono, pardon. Donc, c'est bon. J'ai mis le chrono. Alors. Donc ça sert à rien. C'est pas grave, on s'en servira comme entrepôt souterrain. Et bah je vais devoir me lancer hein. Donc ah ouais mais non. Ce qui va me saouler c'est que. Comment faire? Parce que si j'ai que deux seaux d'eau, j'en mets un là, y a plus de torches et bah au pire. Allez, on va se refaire un saut et on va faire deux voyages. Donc c'est-à-dire on va. C'est tout près, hein, c'est bon, ouais. Hops, hops, hops. Voilà. Donc là j'ai bien fail. Voilà. Sauf que j'ai été. Ah non. Aïe. Sale pio. Donc va falloir que je m'écarte, hein, que je reste pas là, parce que sinon. Ouais.
Elles vont être attirées vers moi et puis elles vont me... me bouffer. Enfin, pas me bouffer, mais monter sur les murs. Et ce que j'ai peur, c'est que elle monte sur les murs et qu'elle se fasse pas cramer. Ah bah si. En fait, non, ça marche. Les araignées viennent de mourir. Donc du fil devrait arriver. Oui, ça marche. Je suis génialissime. Donc voilà. Notre petit... ces escaliers vont me saouler jusqu'à la fin de mes jours, je crois. Voilà. Donc, bah voilà, j'ai fini notre superbe... superbe donjon. On va reboucher ça. On va faire une source d'eau un peu plus loin. On va la faire... Ah bah j'avais la lave là, tiens. J'ai oublié. On va la faire là. Hop, cacher derrière une autre source d'eau. Hop. Ah mince, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donc, bah, c'est magnifique. J'ai fini le donjon. Alors, on va reboucher ça parce que je déteste le gravier, c'est moche. Enfin, je trouve que c'est moche. Alors, on va passer ça et puis bah, on va voir pour les rails. Parce que là, mine de rien, je peux déjà en faire 32. Donc déjà, j'ai 32... 32 murailles, non pas des murailles, 32 rails, mais il va m'en falloir beaucoup pour mon projet. Hop, foutre un peu de lumière, on va mettre un coffre ici. Alors, moi aussi, les seaux d'eau, le diamant, la piste lazuli, ça, le gravier, on s'en fout. Donc on va aller faire une séance de minage, sauf que je suis dans la mouise parce que j'ai plus de bois. Je teste un truc. Je pense pas que ça va marcher, mais bon. Faut toujours tester. Hein. Ouais. Et bah, je vais devoir monter. Hop. Je vais devoir monter en haut pour aller chercher du bois. Je vais être obligé, juste avant, on va dégager le passage, pour que ce soit plus facile, voilà. Donc, bah, nous voilà repartis en haut, pour ce que j'ai été un peu con, c'est vu que je monte, autant monter les minerais. Je fais un peu des allers-retours, hein, mais bon. On va tout monter, hein. On va pas se saouler, hop. Prendre de la cobble, on va la prendre, ça on prend, on prend. On prend la bouse, ça peut servir. Ça on laisse. Voilà. Donc. Alors, on va essayer de retrouver notre petit chez nous. Hop. Et puis bah, on va peut-être remonter à la surface. Hein, pour aller couper un peu de bois. C'est ouf là. Parce que ça fait un petit peu longtemps. On n'a pas vu la lumière du jour. Donc beaucoup m'ont dit que en fait l'or servait par exemple à miner plus vite la cobble. Elle était moins résistante mais en armure résistance aux explosions mais elle dure moins longtemps, si je me rappelle bien c'est ça. Et voilà en gros ce que j'en ai retenu. Donc je teste de peut-être me faire une pioche en or pour voir la rapidité que ça a. Donc si je me rappelle bien j'avais mis ouf 11, pas mal. Ah bah parfait, en plus j'ai 3 d'or, donc on va tester ça. Oh les 9 diamants, ça fait plaisir. Alors 32 de moi aussi. On va mettre les seaux d'eau
ici. J'ai pas de bois. Bon bah on va être obligé de remonter, hein. Contraint et forcé. On va faire les blocs de lapis-lazuli. Non, moi, je suis con. Et donc depuis la mise à jour, voilà. On ne loot que entre 5 et 9 si je me rappelle bien. Donc c'est-à-dire que par bloc de lapis-lazuli cassé, on n'a pas un bloc entier. C'est-à-dire que là il m'en reste 8. Je peux rien faire avec. Donc aussi du colorant. Voilà, je peux faire de la laine bleue. Mais bon. Hop. Et bah. Oui, donc je voulais faire. Avant de remonter. Hop. 16 rails. Donc 48 rails. Donc je pense que je vais vous passer la montée des escaliers. Allez, salut. On se retrouve donc. On se retrouve en haut. Donc ça a bien poussé. Hop, donc je pense que ouais, alors, tout le blé est prêt. Hop. Donc ah oui, on m'a dit aussi que. Enfin je le savais mais je le faisais pas. Quand on a Xnik, on peut marcher sur les plantations sans rien péter. Sauf que là j'en ai pété une qu'il fallait pas. Alors donc c'est pas mal tout ça. Hop 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 hop. Puis on va replanter celle-là là. Donc on a du blé. Hop. Donc il fait nuit. Ah oui. D'accord, ça marche pas. Donc j'avais changé les raptors mais ça marche pas. Et j'ai changé aussi les T-Rex. J'ai pas gardé mon skin de fou furieux là. Bah écoutez, on va faire un petit dodo. Voilà, donc ici j'avais 3 rails, ouais bon. Ouais, j'ai 5 diamants, donc j'en ai 8 en bas. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai pas de bois. Hein. Ah si, ah bah si, 64 bois. J'en ai à chier par les fenêtres. Pardon, de l'expression. Voilà, ça je vais prendre. Les bâtons je prends, 51 rails je laisse là, le verre je prends, et on va hop se faire, ah bah vous avez dû entendre ma sonnerie, chrono est terminé, donc on va se quitter sur, on va se quitter, on va se quitter en train de ramasser du... De la. Pas de canne à sucre, mais de la. Si, de la canne à sucre, voilà. On va se quitter en ramassant de la canne à sucre. Hop. Donc, oui, je sais, on peut optimiser pour que ça fasse 4 de haut, mais. Pff. Déjà que là, ce que je ramasse, je vois pas trop l'utilité que j'en ai. Par faire 50 000 bibliothèques, mais bon. L'intérêt dans Jurassic Craft, c'est pas les bibliothèques. Désolé pour ceux auxquels c'était ça leur objectif. Bon, on va remonter là-haut et on va se quitter. On va arrêter cet épisode 13 Bay. Oups, oups. Voilà. Donc, pas de tyrannosaure, non. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Bon bah allez, salut à tous les Minecraftiens et au prochain épisode. Allez, salut!